Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. On est avec Shelly à 790 trophées. On va essayer du coup d'avancer et faire les 800 aujourd'hui pour le palier 26. Donc on va tout simplement continuer en duo sur cette map. Et on est parti. Ok, je suis avec un Mortis, il est pas max par contre. Pour moi, Mortis qui n'est pas level max, il sert absolument à rien. Après, chacun son truc. Ok, est-ce qu'il va réussir à tuer le Torbeck? Ok, il a bien joué. Il a réussi à tuer le Korbach. On va leur voler toutes les caisses. Et en plus de ça, j'ai pas mal rechargé mon pouvoir. On s'en sort plutôt pas mal. Ok, on va tenter de focus la team là-bas. Très 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 chaud. Malheureusement, j'ai pas pu l'aider. Ah oui, en plus, il va pas éliminer l'équipe. Je vais devoir me barrer. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, lui là-bas, je l'ai vu. Bon, du coup, je vais s'en aller. Il n'a pas son pouvoir, moi si. Ok. J'essaie de me régénérer vite fait. J'ai 7 gemmes, c'est plutôt pas mal. C'est juste que vu que lui, il a rien et qu'il n'est pas level max, c'est pas de problème. Ok, 3 équipes restantes. On va essayer d'éliminer la deuxième qui est en dessous. Ok, je pense qu'on va terminer deuxième. Ok, premier. Plutôt pas mal, je m'y attendais pas. C'est plutôt pas mal. Ok, 799. Je préfère pas continuer avec le Mortis. Même petite caisse à ouvrir. Non, de l'or. Je prends. Et on continue. Ok, une PAM. Qui va encore pas être level max. Ça commence à poser problème quand même. Parce que même le trophée là. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on s'en sort plutôt pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir l'éliminer? Ouh là là. On a eu très chaud. Ok, ça dégage. Bon, par contre, il bourrine un peu son pouvoir. Ok, ça c'est pas mal. Toujours pas mal. Ok, va récupérer les gemmes. Je vais m'occuper de l'autre. Simplement. Voilà, on est en gemmes. On est plutôt pas mal. Bon. Ça se cache. Ouais, là-bas. Aucun dynamite. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Il doit bugger. Il doit littéralement bugger, je comprends pas. Okay.
Ok, premier très facilement. Une deuxième game très concluante. On passe palier 26. Ça sort plutôt pas mal. Ok, du coup, dernière game. On a eu le palier 26 déjà. Ça va être bien. Bon, par contre, une poly. Je sais pas ce que ça va donner. Ok. On va bien voir. Au moins, elle est level max. Mais une fois que toute la carte va être détruite, ça va être plutôt pas mal peut-être. On va voir ce que ça donne. Elle fonce dans le temps en tout cas, elle s'en fout totalement. Quatrième, un bon début. Ok, elle a failli crever. Non, ok. Ok, clairement, je vais mourir. Là, second 9, si on n'a pas un des deux qui meurt, la game va être finie. Ça va les premiers. Ce problème est qu'ils ont leur pouvoir. Moi, non. Et elle non plus. On va attendre que le milieu il soit un peu plus détruit. Je vais le tuer quand même. Un gemme, ok. Ça va être très chaud. Ok, maintenant. On est troisième. Au moins on perdra pas de trophée. Faudrait qu'elle recharge son pouvoir. La carte est vraiment pas assez détruite. On est deuxième. Est-ce qu'on peut tenter la première place? 14 gemmes, ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup. Ils savent bien jouer en plus. Non, ça va pas être possible. À moins qu'elle arrive à le tuer là. Non, ça va pas être possible. C'est dommage. On s'est plutôt bien débrouillé. On termine sur une deuxième place. 814 trophées. On va regarder vite fait quand même ce que ça donne au niveau du classement. On part sur un 146e FR. C'est pas mal du tout. Du coup, je dois être affiché, je crois. Voilà. Là-dedans. Du coup, on se retrouve pour la continuité de ce rush. On va essayer top 100 la prochaine fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo.